お前を死なせたくないから。なれ見てて、このジェミに最大の剣、覚悟を決めな。そこをどいてもらうぞ。受けろビッグトルネード、ブラックブリザード、食らえ。行くぞ。ここは私が始末をつける。くらいな。次成長。そこをどいてもらうぞ。いや。なんだこれは。まだだ。死に損ないめ。落ちろ。ムー様、敵です。ここは私が始末をつける。見てな。覚悟を決めな。行くぞ。受けろ魔物スキュラ。まだだ死ねえ。ムー様敵です。行くぞ。受けろ貴様、この陶器の神髄を。ここは私が始末をつける。Eh bah, c'était compliqué. Hein. この私が行きましょう。ありがとう。よかろう。Bon, il n'y a personne. À 23, on va pas aller loin. C'est pas top, hein, mon grand. Bon, allez, c'est pas grave.
D'accord, mais sur 1, 2, je fais 4. Ok. Quelle heure du Mordor, Ikki du Phénix a-t-il porté ? J'ai mes deux écrans. Qu'est-ce qu'on peut donner ? Un petit quiz, c'est parti. Lequel de ces chevaliers suivants inflige principalement des dégâts d'attaque cosmique ? Laquelle des compétences suivantes est utilisée par Sean d'Andromède ? Où est le cap de bonne expérience ? Un peu de géographie, hein ? Pourquoi les crocodiles pleurent-ils ? Alors là, allez, on répond au pif. Enlever le sel des yeux. Qui est ce chevalier ? C'est bien, c'est que t'as pas de... Alors soit tu réponds pif, soit tu passes. On va passer. Qui est le chevalier d'or du Verseau ? Camus. Qui est ce chevalier ? Aldébaran du Taureau. Qui a découvert l'équivalence entre la masse et l'énergie ? Notre ami Albert Einstein.
Eh oui. Parmi les chevaliers suivants, lequel est capable de réduire l'énergie de l'adversaire? Voilà. Alors, c'est pour ça que je voulais faire de toute façon. Pop c'est fait, grande aventure c'est fait, trident de Poséidon. On va attendre midi. Hein. Bon, attends, midi, on va essayer de continuer l'aventure. Chapitre. Comment réconforter les pauvres personnes à l'agonie? Personne n'est parfait, la mort n'est pas si terrible.
clairement on s'embête pas, on met en auto. Ayolos fait le taf. Donc quitter, hein, ça sert à rien.
ちを待っていられるか。その体にシンクの針を突き刺してくれる。以上待っていられるか。これでまたセイントに近づいたかな。一人では行かせないよ、このカメレオン座のジュネがね。負けはしない、絶対に。Ah merde, j'ai mis l'or. Putain, merde. Ah non, c'est une XP. Ah, je sais plus. Alors j'essaie de tout monter à peu près homogène. に歯が立つわけないよ。負けはしない、絶対に。力のある者が天下を治めて何が悪い。On va faire le tri, hein. Bon, le tri, j'ai dû déjà le faire. 私の瞑想の邪魔をするな。Enfin, je passe 38 pour pouvoir commencer le 8ème sens.
Ce trident de Poséidon, personne veut ? Bon, je te cache pas que lui level 23. Et lui 27. Alors, on a déjà un kick. On n'a pas spécialement besoin de Luna. Bon, il a mis Luna. Allez, on va rester comme ça. Mettre en mode automatique, je vais focus lui. Oh. Comme vous pouvez voir, Ayolos hein, fait le taf en PvE. Hein. Des fois même en PvP. Mais c'est pas vraiment son unité première. Je crois qu'on peut rester ensemble. Ici, la vacane me persuade de faire mon troisième souhait. Pour être quelque chose en plus que la sorte.
おいらそろそろ待つの飽きてきちゃったよ。シュンは戦いに向いてない。セイントになんて無理だよ。
しね。行くぞ。目障りだ。さらばだ。いい加減消え失せろ。魔性の声。誰がお前なんかに。行くぞ。それでも真のセイントか。どうだ。任せておけ。剛腕。行くぞ。行くぞ。その罪を穴越え。きらめけ、我がコスモよ。クロス装着、戦闘準備完了。何度でも蘇る。この身を八つ咲きにされようと。降りかかる火の粉は払うまで。いや、覚悟なさい。我がコスモ、行くぞ。いや、行くぞ。はっ、勝利の庇護。そこをどいてもらうぞ。はっ、エクスカリバー、食らってみろ。決戦、スカーレットサイクロン。スカーレットサイクロン、イーグルプロテクション。タッ死ぬ。我がコスモ、行くぞ。と、無様、敵です。いや、アテナ、セプター。問答無用。受けてみな。Yes!
白い。スカーレットサイクロン。まだまだだよ。まだまだだよ。この身を八つ裂きにされようと、俺はアテナを守る。この私が行きましょう。いつも死と隣り合わせのセイントは、死に絶えた者を蘇らせることはいかにこのムーでも不可能です。クロス装着、戦闘準備完了。見てろ、くらえ、出ます。全力であなたを撃つ。行くぞ、ついてこい。ひらめき、邪悪を倒す。クリスタルウォール、くらえ。サイコキネシス、天ルーム、リカバリー。いや、受けてみな。イーグルプロテクション、見てろ。出ます。キグナス、行くぞ。星雲祈願、まさか敵です。ひらめき、いいですね。サイコキネシス、クリスタルウォール、すでに地獄に入っているぞ。受けてみな。イーグルトゥフラッシュ、イーグルプロテクション、ひらめき、受けてみろ。出ます。全力であなたを撃つ。扇風剣、ひらめき、真理を見極める目を、いいですね。リカバリー、フリージングコフ、やい、まだだ。イーグルプロテクション、ひらめき、行くぞ。行くぞ。
ついてこい。受けてみな。イーグルプロテクション。まだまだだよ。くらえな。せい。かけてみさい。白鳥。星雲祈願。行くぞ。行くぞ。敵です。ジャークを倒す。クリスタルウォール。天部降臨。受けろ。この陶器の神髄を受けてみな。イーグルプロテクション。まだまだだよ。くらえな。受けてみろ。受けてみよう。まだだ。ひらめき。いいですね。恐れずに受けよ。天部降臨。リカバリー。受けてみな。まだまだだよ。イーグルプロテクション。見てろ。出ます。まだだ。行くぞ。ジャークを倒す。サイコキネシス。すでに地獄に入っているぞ。受けろ。この陶器の神髄を。まだまだだよ。イーグルトゥフラッシュ。くらえな。受けてみよう。星雲祈願。行くぞ。ついてこい。行くぞ。おちょくり。バカな。受けよ。ジャークを倒す。クリスタルウォール。リカバリー。受けてみな。イーグルプロテクション。イーグルプロテクション。おちょくり。くらえ。出ます。まだだ。行くぞ。我が神よ、今一度この氷河に大いなる力を。いいですね。リカバリー。クリスタルウォール。クリスタルウォール。フリージング攻
けてみな。まだまだだよ。これからだよ。ひらめき。真の力は正義に宿るもの。受けてみよう。真理を見極める目を。今度こそ確実に葬ってやるぞ。受けてみな。イーグルプロテクション。まだまだだよ。ひらめき。真の力は正義に宿るもの。受けてみよう。我がコスモ。いくぞ。おちょくり。いいですね。この身を八つ裂きにされようと、俺はアテナを守る。さあ、俺の正義の剣に勝てるかな。お前はどちらを選ぶ、発狂か死か。俺の正義の剣に勝てるかな。受けてみよう。我がコスモ。まだだ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。ついてこい。真理を見極める目を。クリスタルウォール。これでどうだ。リカバリー。このジェミニー最大の剣。受けてみな。イーグルプロテクション。スターダスト。レボリューション。あと一歩というところで。ひらめき。覚悟なさい。行くぞ。我がコスモ。旋風剣。ウルフ、ジャークを倒す。クリスタルウォール。ほざけ。
時空の狭間に。ギャラギャリカバリエクスプロージョン。念動力イーグルプロテクション。受けてみよう。全力であなたを撃つ。まだだ。まだだ。まさか。旋風剣。それ。これでどうだ。ほざけ。受けてみな。イーグルプロテクション。という選択肢はないのよ。全力であなたを撃つ。これでどうだ。問答無用。クロス装着、戦闘準備完了。この私の姿を無視するのはこの世の美に目を背ける行為。いつも下隣。虫が神の存在など知る由もない。クロス装着、戦闘準備完了。受けてみよう。全力であなたを撃つ。敵です。ひらめき、いくぞ。見せろ。全力であなたを撃つ。絶対レードの剣。話にならんな。そこをどいてもらうぞ。問答無用。サイクロン。
レットサイクロン。行くかい？まだまだだよ。これで最後よ。まだ骨折です。見てろ。アイスクラウン。そこをどいてもらうぞ。それでも真のセイントか。どうだ、行くぞ。見事だ。いや、食らってみろ。スカーレットサイクロン。受けてみな。イーグル2クラッシュ。これで最後よ。一斉の気分ひらめき。我がコスモ、コスモよ、私の陶器よ。この身を八つ裂きにされようと、俺はアテナを守る。熱き心を通わせる友情を。私中アテナのいつも中この我がコスモに宿るのは王道第9星座スコーピオン。セイン6つの星獣でど我が私こそがこの時代の救世主なのだ。甘い、甘すぎる。なるほど。敵を殺さなければ目的も遂げられん。
これ以上待っていられるか。よかろう。さあ、俺の正義の剣に勝てるかな。君はコスモを感じたことがあるか。虫が神の存在など知る由もない。ブロンズがゴールドセイントに歯が立つわけないよ。さあ、俺の正義の剣に勝てるかな。星雲祈願クライラッツ成長。望み通り散るがいい。我がコスモ。クライナー受けてみよう。全力であなたを撃つぞ。ひらめき、いくぞ。クライナー行くよ。私の出番か。そこをどいてもらうぞ。イーグル中、私の出番か。
私の出番か。ビッグトルネード剣狼魔王剣出ます。全力であなたを撃つ。逃がさないよ。鶴成長の出番か。覚悟はいいか。念力。これで最後よ。我が子。くらいな。鶴、成長。くらいな。鶴、成長。天部降臨。行くぞ。私の出番か。トルネード元老魔王剣我がコスモはっやばっ。おお行くぞ。どうだ。いや私の出番か。受けろ。クロス装着、戦闘準備完了。死に絶えた者を蘇らせることはいかにこのムーでも不可能です。私こそがこの時代の救世主なのだ。いつも死と隣り合わせのセイントは誰もが自己の守護聖を持つ。考える気自らは一滴の血も流さずに勝利を収める。それが真の勝者だ。クロス装着、戦闘準備完了。星雲祈願。星
こを解いてもらうぞ。トルネード。イーグルプロテクション。スターフォールプロフェシー。星雲祈願。行くぞ。リカバリー。行くぜ。旋風剣。リカバリー。行くぞ。まだだ。旋風剣。ひらめき、行くぞ。ひらめき。クリスタルウォール。クリスタルウォール。モノスキュラ。リカバリー。イーグルプロテクション。これからだよ。受けてみよう。我がコスモ。まだだ。旋風剣。クリスタルウォール。プロテクション。
くぞ。行くぞ。旋風剣、行くぞ。行くぞ。見せろ。クリスタルウォール。受けてみな。イーグルプロテクション。この身を八つ咲きにされようと、俺はアテナを守る。望みを捨てぬ限り、熱く思う限り、希望の火は消えない。甘い、甘すぎる。シュンは戦いに向いてない。セイントになんて無理だよ。6つの聖人、虫が神の存在など知るよしもない。クロス装着。神の光を放つよ。その体で受けてみるか。我がコスモ、行くぞ。ひらめき、ムー様、敵です。行くよ。フル成長。鳳凰の火。私の陶器を。そこをどいてもらうぞ。
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo review de Yodesila, l'un des meilleurs DPS de rang A du jeu, un personnage extrêmement polyvalent. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de me soutenir et à mettre un pouce bleu en guise de soutien si la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, pour chaque vidéo de review de personnage, on passera par une présentation de ses sorts, les sorts, les compétences à monter en priorité avec vos doublons. On ira faire un tour sur les cosmos, puis tester le personnage directement in-game avec une composition qui tournera autour de lui. Alors, tout d'abord, les sorts. いかなる事態を前にしても常に冷静でなければ。Les sorts. Sa première, une auto-attaque infligeant entre entre 80 et 100% de dégâts, suivant le niveau de votre compétence, et qui permettra de faire une guérison si Scylla a été invoquée. On ne montrera pas ce sort en priorité, mais il reste très intéressant. Ensuite, Scylla... Là, votre sort principal, la première compétence que vous allez utiliser dès que ça sera au tour de Yo. Vous allez utiliser une fois, tout simplement, ça va invoquer Scylla. Scylla est un familier qui viendra attaquer les mêmes cibles que Yo, ce qui permet de faire un focus. Scylla aura plusieurs compétences qu'on va pouvoir voir dans son passif à la fin. Et
apporte vraiment de très très gros dégâts. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Yo est stun ou gelé, ou qu'il a n'importe quel contrôle qui lui est posé dessus, Scylla attaquera quand même, par contre, cette fois de façon aléatoire. La troisième compétence, ça permet de sacrifier Scylla pour récupérer de la santé. Le sort peut être intéressant, mais vraiment très situationnel. On ne le monte pas, on le montera vraiment en dernier. Et enfin, le passif de Yo. La compétence à monter en priorité. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous permettre de débloquer de nouvelles compétences pour Scylla. Tout ça, quand on a une chance. Donc la tornade, plus de dégâts et un meilleur le terrain, on va aller sur quelque chose qui reste vraiment identique à tous les dégâts. Le plus d'attaques possible sur notre personnage, puisqu'il y a l'attaque de Scylla est calquée sur l'attaque de Yo. Donc on prend de l'attaque en pourcentage d'ensemble. Ténacité ou une floraison, ça sert vraiment de ce que... Les bleus, il y a deux écoles, il y a la ferveur, et on ira voir le deuxième ensuite. Personnellement, j'aime beaucoup la ferveur, tout simplement pour amener du critique, pour avoir un DPS supplémentaire. Et je suis moins fan, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune qui vous permettra d'être plus... Il y a les pourcentages, un choix à faire, c'est des tests à faire. C'est pour terminer, on va aller chercher une fleur d'équinoxe pour augmenter l'attaque et la santé max des humains. On va prendre une compo. La compo habituelle dans laquelle j'aime beaucoup jouer Yo en PVE en général. Donc c'est pas celle-là du tout. Comme d'habitude, c'est préparé à l'avance, bien entendu. Préparé. Alors, on va partir sur Kiki, Luna, Jun, Yo, ça c'est bon. On va rajouter Aphrodite. Et on peut rester sur du Deidalos. Sinon, on peut mettre Marine aussi, mais je préfère garder Marine pour faire le deuxième combat de mon côté. C'est par position, c'est d'avoir la compo qui coûte le moins cher possible, afin d'amener des gros dégâts ensuite avec Aphrodite. Donc on met le double tour bien entendu sur Yo, on va venir poser un lien. On va commencer à debuff, donc en face on peut avoir la Yuzu qui peut être un petit peu emmerdante. Et on commence, on invoque Scylla, toujours en premier. Regardez les dégâts, c'est vraiment monstrueux. Et ensuite, tout simplement, on vient faire le focus précis. Vous voyez, avec l'attaque, Massila sert à gagner des points de vie. Et là, bon, sur ce tour, on n'a plus que 2 d'énergie restante parce qu'il a fallu invoquer Scylla, donc notre Aphrodite ne sera pas extrêmement efficace. Mais par contre, à partir de maintenant, Yo est gratuit. Le prix de sa double attaque, c'est juste la compétence de Luna. Et sinon, il ne coûtera vraiment plus rien. Donc, on va venir debuff en espérant que ça vienne buffer notre Scylla. Parfait. On va se débarrasser des Yoga. Donc par contre, le nombre d'attaques que fera votre Scylla, c'est vraiment, vraiment aléatoire. Ça peut être de une attaque jusqu'à 6. Là, on a le stun qui est passé. On va venir rajouter un petit peu de dégâts avec notre Aphrodite. Cible est monstrueux. Yo fait partie des compositions sans S, vous permettant de